Derrière des expressions telles que frappe chirurgicale ou dommages collatéraux peuvent se cacher de graves violations du droit humanitaire. La situation dans l'est de la RD Congo est très préoccupante. Les éléments du M23 tuent, pillent, volent et violent des femmes. Chaque jour, les violences faites à la femme prennent des proportions inquiétantes. La guerre en Ukraine en constitue aussi une preuve palpable. Plus de 70% des femmes à travers le monde subissent des violences de tout genre, alors que les mesures pour lutter contre ce fléau restent disproportionnées. Ainsi, le Costa Rica et la RD Congo envisagent de combler les lacunes irrelatives. Par le canal de leurs représentations respectives à Genève, ces deux pays d'Amérique latine et d'Afrique centrale ont lancé une approche dite vers une nouvelle norme mondiale pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, un événement d'engagement et de sensibilisation. Fin de citation. Invitée à ce panel, la conseillère spéciale du président de la République sur la jeunesse, le genre et les violences faites aux femmes a souligné des avancées déjà réalisées par la RD Congo dans ce domaine. Son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a décidé de s'attaquer à ces problèmes de manière décisive. Alors, nous invitons le monde à faire de même. Selon ses propres termes, qu'il dit lui-même, les femmes d'abord. Point. Tout comme le changement climatique, les guerres et la COVID-19, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles demandent une action collective. Mais pour Chantal Yelou Moulop, un traité mondial serait plus essentiel. C'est aussi l'avis du Costa Rica et de l'ensemble des contributeurs à cette approche. Pour nous, il est temps de traiter d'une autre pandémie, une pandémie négligée depuis des décennies, à savoir la pandémie des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Justement, à propos de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, Écho d'Europe vous proposera dans ses prochaines éditions les réactions des différents diplomates accrédités à l'ONU à Genève. Bienvenue à cette émission, merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des partenaires, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivi chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe leurs représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, monsieur Onema. Bravo. Yango, na lisuli ya motote, ati ya kinyosu,
papa tape minzoto asala ki moli pena sanza asali mabele zamba pena mai asali pe moto kwa kuzabiki na mjoso lelo yo ekoma moto akoma ko domine moto kote kamolinga pona kwanga motema ya moto ebongwani aponi na yekela nesika ya moke nzambe mateka ni molimbo mpona mbozwi ya sei oh, mbeze na bango ezali ya yudasi balula molili bango baboya polele bango batalaka bato na miswa likolo batonda lolendo mami kokisa na nzambe baina kimya balindisaka te bana ya libebi suka na bango mabe balukakinga mabe nzambe asalinga abia balukelakinga liwa nzambe apesinga labi bakomplo na bango bamolindelo ejuwe nzambe nanga asalike bazwa zero C'est un plaisir pour moi d'être également cofondatrice de Every Woman Treaty. Et c'est un honneur pour nous de voir tant de chefs de mission, d'experts du droit international, ici à ce panel de haut niveau pour ouvrir le dialogue entre les missions permanentes de Genève sur le cadre juridique actuel qui prévaut au niveau mondial pour traiter des violences à l'encontre des femmes et des filles, pour poser les jalons de solutions politiques collectives, y compris la possibilité d'un nouvel instrument contraignant. Excellence. Les violences à l'encontre des femmes et des filles sont la violation des droits humains la plus courante sur la Terre. Ce type de violence crée une multitude de problèmes structurels qui affectent tout de l'humanité dans son ensemble. Les violences à l'encontre des femmes et des filles a augmenté de manière exponentielle avec l'émergence de la COVID-19, avec les conflits émergents, le changement climatique, les cyberviolences. Or, ce soir, nous sommes ici pour entendre les approches innovantes dont nous avons besoin pour traiter de la crise qui s'exacerbe à l'encontre des femmes et des filles. Que j'invite maintenant Son Excellence l'ambassadrice Shara Duncan Villalobos du Costa Rica à venir pour ses remarques d'ouverture. Excellence, il faut travailler, discuter des mesures que l'on doit prendre pour mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 75% d'entre elles ne sont protégées par aucun des traités régionaux relatifs aux femmes existants. Le Costa Rica pense que l'égalité homme-femme est une condition sine qua non au développement humain. Et la vraie égalité ne peut avoir lieu dans un contexte de violence. La reconnaissance dans les faits des droits humains des femmes et leur mise en œuvre par le biais de législation aboutirait à des sociétés plus inclusives, plus démocratiques et un plus grand développement socio-économique des États. Et maintenant, nous allons nous tourner vers
Son Excellence, Madame Chantal Yelou-Moulop, conseillère spéciale auprès du président concernant les questions de jeunesse, de genre et de violence à l'encontre des femmes de la République démocratique du Congo. Thank you, Dr. Eleanor. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chers invités à vos titres et qualités respectées, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Madame Chara Duquesne Villalobos, représentante permanente de Costa Rica à l'Office des Nations Unies à Genève, pour avoir accepté de co-organiser cet événement et pour son leadership dans la lutte pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. J'espère qu'il est là. J'aimerais également souhaiter une chaleur bienvenue à Monsieur l'ambassadeur de la République populaire d'Ukraine, j'espère qu'il est là, Son Excellence Yevgenia Filipenko, et vous dire que la République démocratique du Congo présente ses condoléances les plus sincères à la tragédie que vit ce peuple ami. Nous vous souhaitons force et persévérance. Maintenant, je me retourne vers mon ambassadeur. Je voudrais particulièrement remercier Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Paul Mpole pour son engagement très déterminé à ce que ce projet aboutisse et aussi ce qui montre que l'engagement qu'il a, c'est le même engagement que le président de la République du Congo, Excellence Félix Tshisekedi, dans sa vision pour la promotion de la femme. Nous retrouvons ici aujourd'hui pour discuter de la crise de la violence faite aux femmes. Une crise mondiale de cette ampleur exige que nous faisons face aux réalités telles qu'elles sont. Je serai donc franche, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en République démocratique du Congo sont horribles. Les femmes en République démocratique du Congo doivent en tout lieu avoir des ressources pour se défendre. Car où qu'elles sont, où qu'elles aillent, elles doivent toujours se battre. Nous avons les mariages précoces et les grossesses précoces sont monnaie courante. L'accès à la terre est très difficile, surtout quand le conjoint meurt. Nous possédons un pouvoir de décision très limité. On leur a appris, malheureusement, que si elles sont victimes de violences, c'est parce qu'elles n'étaient pas obéissantes. Et ça, ce n'est pas seulement en RDC, mais c'est un peu partout en Afrique et dans certains pays dans le monde. La RDC n'est pas la seule, c'est là que je veux dire, dans cette situation. Les violences faites aux femmes, qui étaient déjà la violation des droits humains la plus répandue à notre époque, est malheureusement aujourd'hui dangereusement à la hausse. Au début de cette année, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Madame Amina Mohamed, a déclaré: les violences faites aux femmes et aux jeunes filles est aujourd'hui la question des droits humains la plus répandue et la plus présente au monde. Nous pensons qu'elle a raison. L'augmentation des violences faites aux femmes dans le monde est notable malgré les décennies d'engagement des chefs d'État africains et d'autres à travers le monde à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. En 2003, le protocole de Maputo faisait du continent africain la deuxième région au monde à avoir un traité pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles.
En 2013, l'agenda 2063 de l'Union africaine avait identifié la fin des violences faites aux femmes et aux jeunes filles comme une priorité absolue pour l'Afrique. Les chefs d'État à travers les continents ont acté chacun sur cette priorité à l'intérieur de leurs propres frontières nationales. Pour ce qui est de la RDC, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été nommé porte-flambeau de la lutte pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles par l'Union africaine. Et il a été nommé champion de la masculinité positive. L'impératif demeure malgré les progrès de l'Afrique et les efforts extraordinaires de tant de personnes de s'attaquer plus rigoureusement aux aspects inachevés de cette lutte qui vraisemblablement prendra encore beaucoup de temps. La constante étant que chaque femme, chaque fille, partout dans le monde doit être protégée. Mettons-nous d'accord que la problématique des violences faites aux femmes et aux jeunes filles n'est pas un problème africain. C'est un problème mondial, un problème humain, une crise humaine, une crise sans croissant. Les statistiques aujourd'hui sont claires. L'impact du viol comme arme de guerre sur les femmes en République démocratique du Congo n'a pas besoin d'être appelé à l'opinion. En moyenne, aujourd'hui, 1152 femmes sont violées chaque jour dans mon pays. Le viol est aussi dévastateur qu'une blessure par balle. Il y a des conséquences catastrophiques, non seulement pour la femme, mais aussi pour sa famille, sa communauté et en fin de compte, la nation. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que j'ai, au nom de mon pays, la République démocratique du Congo, co-animé cet événement d'engagement et de sensibilisation sur un sujet de très grande importance. Avec ma collègue, l'ambassadeur Chara Duncan Villalobos, j'espère que j'ai également bien prononcé le nom, du Costa Rica, nous sommes très impressionnés par les informations partagées avec tant de passion, comme l'a dit Dr. Rano, par nos éminents panélistes, que nous remercions sincèrement pour la profondeur de leur présentation. Nous remercions également chacun de vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués et invités, et avec vous tous les représentants d'entités ici présents, pour avoir accepté d'accorder un peu de votre temps, déjà très sollicité, et de vous joindre au dialogue de cette soirée. Sans votre intérêt, l'avenir pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles serait incertain. Cette rencontre représente un tournant dans le dialogue sur la nécessité des nouveaux instruments pour faire face à cette violence. Elle nous donne un espace pour échanger des idées et des stratégies éprouvées entre hauts fonctionnaires. Le Costa Rica et mon propre pays, la RDC, souhaitent que cet événement marque le début d'un dialogue entre États sur la nécessité d'un nouveau cadre normatif et ouvre la voie à la mise en place d'un tel instrument. Nous sommes tous d'accord sur l'intensité et l'horreur des violences faites aux femmes et aux jeunes filles à travers le monde aujourd'hui et particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Nous sommes également tous d'accord que quelque chose de nouveau et d'innovant est nécessaire de toute urgence pour y mettre fin. Pour ce faire, la réponse doit être
un nouvel instrument autonome, s'appuyant sur les meilleurs éléments de ce que le système international actuel offre pour construire un monde où les femmes sont à l'abri de toute forme de violence, partout et en toutes circonstances. Votre présence ici et les contributions que nous continuerons à partager lors de la réception à l'extérieur, comme on vient de le dire, témoignent de l'importance que vos États et entités respectives accordent aux droits humains, ainsi que particulièrement aux questions de femmes et de filles. Nous vous invitons à continuer à parler du sujet dans un cercle d'amis dont on a évoqué et de maintenir nos échanges en faveur d'un nouvel instrument en faveur de l'éradication des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Les femmes et les filles du monde entier nous regardent. Mais vous savez que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, notre chef de l'État, il a été nommé champion de la masculinité positive pour l'Afrique, c'est-à-dire pour en finir avec tout ce qui est violence faite à la femme en Afrique. Mais le président de la République a une vision encore plus large de tout ce qui est l'élimination de la violence faite à la femme. Toute forme de violence faite à la femme. Il a nommé la conseillère spéciale pour s'occuper de tout ce qui est violence faite à la femme en général, pas seulement la violence sexuelle, mais la violence faite à la femme en général, aussi pour voir ce qui se passe avec la jeunesse congolaise. Alors maintenant, on est venu parler sur le traité mondial. Le président de la République s'est engagé en se disant que la violence faite à la femme, c'est vrai que nous devons le finir en RDC, c'est vrai que nous devons en finir en Afrique, mais il faut aussi en finir à travers le monde. Et alors c'est là qu'il est important que lui, en tant que chef de l'État, en tant que champion de la masculinité positive, qu'il s'engage à ce que autour dans le monde, qu'on en finisse avec cette violence. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour pouvoir parler avec les différents ambassadeurs. Je remercie l'engagement de notre ambassadeur ici en Suisse, monsieur Paulet, qui directement il a été emballé, et parce que lui aussi il comprend très bien la vision du président de la République, qui est l'épanouissement de la femme congolaise. Il s'engage à pouvoir réunir les différents diplomates ici à Genève pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce traité mondial. On reconnaît qu'il y a eu beaucoup de déclarations, beaucoup de programmes, beaucoup d'instruments. Par exemple, Maputo, pour nous les Africains, qui est un instrument juridique pour la femme, une des plus fortes. Je pense que c'est la deuxième au monde qui a été mise en place. On reconnaît toutes les lois qui ont été mises en place pour l'agenda 2063 pour l'Afrique. On reconnaît ce qui a été mis en place pour le développement durable pour les Nations Unies pour 2030. On reconnaît tout ça, mais on n'a plus beaucoup de temps pour pouvoir mettre en place ce traité qui va rassembler toutes ces lois, toutes ces déclarations, parce que chaque pays a sa propre culture, chaque pays a sa façon de voir qu'est-ce qui se passe entre les femmes et les jeunes filles et comment résoudre les problèmes qui existent. On a des problèmes climatiques. Les problèmes climatiques touchent extrêmement la femme dans les changements climatiques. On a des problèmes de cyber technologie, internet et tout ça. On a vu beaucoup de menaces de violence faites à la femme dans ce genre de technologie. On a des problèmes dans l'économie. On a eu la COVID-19 qui a empêché, qui a aussi augmenté le taux de violence dans les ménages, dans les familles et dans les écoles. On a des problèmes avec les enfants, les jeunes, nos enfants qui vont dans les écoles ou qui vivent des menaces d'harcèlement sexuel par les professeurs. Mais tout ça va être englobé dans ce traité global. On a des problèmes d'incision en Afrique, des mariages précoces, de grossesses précoces, des terres qui sont prises quand un mari
meurent et on arrache les terres aux femmes, on arrache les maisons aux femmes, on arrache les biens aux femmes. Ça, c'est en Afrique. Mais dans d'autres mondes, il y a aussi d'autres problèmes. C'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre ce traité mondial pour en finir avec la violence faite à la femme, sous le leadership de la RDC et en particulièrement sous le leadership de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RTNC, c'est une réalité mondiale maintenant, donc c'est normal qu'il y ait, qu'elle soit en mesure de faire des reportages, comme j'ai vu. C'était en octobre à Genève. Hein, je sais que vous êtes toujours présent quand il y a des activités officielles congolaises. Et c'est normal, c'est juste, parce qu'il faut que les citoyens congolais savent que les institutions congolaises sont présentes à l'étranger et supportent les Congolais qui sont à l'étranger. Et le support, c'est du support qui est aussi un support d'information. J'aimerais rendre hommage et saluer le travail remarquable abattu par un digne fils de notre République, la République démocratique du Congo. Depuis plus de 25 ans, dans la grande abnégation, dans des difficultés, mais présent et abattant toujours un travail remarquable. Je parle de notre compatriote Jean-Pierre Onema, affecté à Genève, couvrant toutes les activités des différents ministères, des différents services qui vont en mission à Genève dans le cadre de la famille des Nations Unies. Il a un travail vraiment appréciable et nous tenons à saluer, à l'encourager au nom de la République démocratique du Congo, au nom du gouvernement et au nom, puisque je suis un élu du peuple, au nom de la nation. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous osons croire que sa récompense n'attendra pas qu'il meure, mais que déjà sur cette terre, il doit recevoir ce qu'il mérite. Merci beaucoup pour ce travail de qualité que vous abattez, parce que vous êtes les grands ambassadeurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC, et nous osons croire que dans les jours qui viennent, les conditions et les meilleures seront mise à votre disposition pour davantage améliorer les rendements, le travail, la qualité des images qui viennent de la Suisse et particulièrement de Genève dans la grande famille des Nations Unies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, M. Jean-Pierre Onema. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.